Patrick, ça va? Oui. Bon alors ici on est au Naked Lunch, c'est ça? Ouais, pratiquement. C'est ça, on est rendu à Pointe-à-Calière. Ouais, dans le Vieux-Montréal, on a bien du fun, il fait chaud, on n'entend rien. C'est ça, je sais pas si on va t'entendre, mais... Je vais crier, je vais crier. C'est beau. Alors c'est ça, c'est le quasi-lancement de notre nouveau produit, le smoked de canard qu'on a depuis quasi-belle lurette. Ça s'est fait avec un magret de canard des élevages Périgord, donc un canard Munard gavé. Là, on voulait essayer un nouveau produit qui est fait avec le fameux canard du lac Brome dont tout le monde nous parle. Tout le monde assume que c'est avec celui-là qu'on faisait l'autre produit, mais en fait, là, c'est la première fois qu'on l'utilise, donc c'est la poitrine du canard pas gavé du lac Brome, c'est-à-dire un canard de Pékin. Donc une poitrine, je dirais, environ 100 grammes plus petite, peut-être donc 25-30% plus petite qu'un magret. Une chair plus rosée, puis des fois, quand j'en parle, c'est un peu plus proche de la volaille que le magret. Le magret, lui, est plus rouge, plus ferreux, plus gibier, alors que la poitrine, c'est vraiment un canard pas gavé. Donc, moins gras? Oui, moins gras. D'ailleurs, on rajoute du gras dans la conserve parce que nous, le produit est cuit en finale dans sa conserve, pendant la mise en conserve. Alors, un petit peu moins gras, donc on rajoute du gras de canard non gavé encore, sinon ça ne fait pas de sens. Et puis, c'est ça. Là, pour l'instant, les gens, je te dirais, je ne suis pas certain qu'ils voient la différence rapidement. Mais quand on ouvre, la différence qui saute aux yeux, c'est que la poitrine est beaucoup plus rosée et puis plus maigre. Là. Pas que on l'engraissait avec le canard, mais c'est ça. Donc, ça demeure fantasmagorique. Encore excellent en salade, sur des canapés et surtout dans le pot de Noël de tous vos amis. Parfait, des nouvelles étiquettes aussi, des nouveaux produits? Oui, ben en fait, c'est parce que les étiquettes, c'était pour avoir de la place pour mettre le code barre puis les valeurs nutritionnelles. En même temps, en ayant l'étiquette sur le côté, ça permettait aux détaillants de mettre la canne debout. Parce qu'avant, il fallait les mettre couchés, puis là, c'était très problématique parce que les détaillants... Ça, c'est pour ceux qui ont des vrais magasins, là, pas ceux qui vendent sur Internet. Ouais, mais même sur Internet, je sais que j'avais des plaintes là, que dans l'entrepôt, les cannes roulaient partout. Okay. Non, mais c'est ça. Là, en magasin, chez nos 67 détaillants québécois existants. Alors, c'est ça. On est bien contents du nouveau packaging. On a investi 500 000 $ dans une firme de marketing québécoise, mais on est contents du résultat. Merci, bonjour. Alors là, on est toujours à Pointe-à-Calière et là, on est rendu aux Canardises. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est quoi les Canardises? Les Canardises, c'est un élevage de canards qui élève ses canards, qui les cuisine et qui les commercialise. Et les canards, ils sont élevés comment? Les canards sont élevés en plein air. OK. Et ils mangent de la nourriture naturelle avec des céréales, de l'herbe, du maïs entier. Et la cuisine, elle est faite sans intrants de produits chimiques. Aucun conservateur, c'est naturel, c'est la stérilisation qui fait la différence. OK. Et donc, les produits qui se vendent bien, je sais, c'est votre cassoulet. Le cassoulet, malheureusement, oui, parce qu'il faut en refaire très souvent. C'est ça, parce que dans le cassoulet, il y a des morceaux entiers de canard. Donc... Il y a des morceaux de confit de canard et il y a aussi de la saucisse de Toulouse qu'on fait nous-mêmes. Ok. Donc avec la viande de porc et puis le ragoût est fait avec du fond de canard à base de nos carcasses de canard. Là, c'est pas des poudres achetées. Okay. C'est tout naturel. Ok, et puis après, sinon, on va plus vers les blocs de foie gras de canard. Le bloc de foie gras ça est le délice, donc qui est une déclinaison du bloc. Donc c'est plus léger, c'est ça? C'est un peu plus léger, c'est allégé avec du lait et des œufs, donc ça vous donne un résultat un petit peu plus moins fort en foie gras pour les gens qui découvrent le foie gras. Ok, et c'est à la mistelle de pomme, je crois, c'est oui, ça? Oui, alors il y a différentes versions. Ici j'ai la mistelle de pomme ou alors la version nature aussi. Et donc, il faut dire aux gens qu'on ne sent pas la pomme, en fait, c'est plus pour amener le petit côté léger, voilà, mais ce n'est pas très fort en pomme. C'est vraiment un assaisonnement plus qu'un goût majoritaire. Ok, et les Canardises, ça se trouve où exactement? Ça se trouve à Saint-Ferréal-les-Neiges, près du Mont-Saint-Anne, dans la région de Québec. Ok, et il y a une boutique à la ferme, je crois. Il y a une boutique à la ferme. Ok, toujours à Pointe-à-Calière, là, on est au cœur de la pomme, c'est ça? C'est quoi le cœur de la pomme? Le cœur de la pomme, c'est un verger qui est situé à Frelexburg, dans les cantons de l'Est, qui est en production depuis 1982 et qui fait de la transformation depuis le début des années 90, principalement les vinaigres de cidre, puis ensuite toute une ligne de confits, de moutarde,
de la gelée de pomme, du beurre de pomme. Et on a un deuxième verger à Donham où on fabrique les cidres alcoolisés. Ok, donc sur Terroir Québec, c'est ça, on trouve les cidres, le vinaigre de cidre vieilli en fût, c'est ça. Et puis les vinaigres aromatisés, orange, gabelle. Et donc ici, là, vous êtes tous en train de présenter vos cidres, c'est ça? Oui. Il y a 4 cidres différents, c'est ça? Oui, on a apporté 4 de nos produits, donc un produit plus sec, plus doux, un produit aromatisé aux petits fruits et un liquoreux qu'on appelle notre cidre de feu, qui est un peu unique. Plutôt que de concentrer le jus par le gel, on transforme notre jus par évaporation. Donc, ça nous permet d'aller chercher des arômes différents. D'accord, ben merci beaucoup. Salut, ça va? Oui, je suis à Culture Gourmande, puis Bob le chef est là. C'est quoi le rapport entre... Quelle surprise! Ben, vraiment, je suis gourmand. Puis, j'essaie de donner la culture de cuisine aux jeunes d'aujourd'hui, aux ados surtout. Et donc, tu as fait une recette ici? Je suis arrivé trop tard, c'est ça? On a réussi à en faire 5. On voit ici un peu les vestiges de l'événement. Ben, ma mère qui est ici d'ailleurs. On a réussi à faire un tartare de saumon, comme vous pouvez voir par les restes. Il n'y en a plus. On a fait une petite salade de fèves germées, salade de pâte froide, assiette de pâte chaude et le couscous qui est souvent mis aux oubliettes en Amérique du Nord. C'est vrai. Et donc... Dommage par contre parce que c'est le grain le plus populaire de la planète. Et tout ça, c'est dans le livre? Tout les ça, recettes? C'est toutes des recettes du livre de l'anarchie culinaire, selon moi. Achetez mon livre que je puisse c'est payer le même, mon c'est loyer. Le même. Ben, merci beaucoup, puis c'est génial de faire la promo comme ça, merci, du bien manger. C'est pas juste de faire de la promo qui est importante. Non, mais je veux dire de la promo du bien manger, pas du livre forcément. C'est vraiment mais de ça le plus important. Ça, ouais, absolument. Merci. Merci à toi.